Salut à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Ma télé à moi, qui se fait un plaisir de recevoir ce soir une grande artiste, une grande dame que vous connaissez ou que vous pensez connaître, car souvent nos chers téléspectateurs nous avouent apprendre des choses sur tel ou tel invité, des choses qu'ils ne connaissaient pas ou qu'ils ne soupçonnaient même pas, et j'espère que ce sera le cas avec celle qui a décidé ou celle qui nous a fait l'amabilité de partager cette rada avec nous ce soir. C'est pour moi l'ambassadrice de la chanson andalouse. Il s'agit de Madame Behjarhal. Madame, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir. Bonsoir. Très bien. On a invité Behjarhal, donc on va écouter Behjarhal. Très bien. Et comme l'un des buts de l'émission, c'est de revisiter les archives de la télévision algérienne, j'ai un peu remonté le temps et je suis tombé sur l'un de vos premiers concerts, pour ne pas dire peut-être le premier concert de Behjarhal. Alors, c'était lors d'un festival à Tlemcen. Elle était accompagnée par la troupe El Intisar, si je ne me trompe pas. Et c'était, tenez-vous bien, en 1981. On regarde. Ça vous fait de revoir ces images. On ne parlera pas du concert, on reviendra plus tard en abordant votre carrière, mais sur un plan très très affectif. Très affectif, le fait de me voir comme ça. Vous, c'est des... Et votre frère qui était à vos côtés? Mon frère était juste à ma gauche, à la mandoline aussi. Ouais. Ça date de plus de 30 ans. Ouais, 81, quelle année? 81. Ouais. 81, mais le fait de voir les images, ouais, c'est quelque chose, parce que bon, je ne les ai pas revus, peut-être une année après, ouais, quand c'est passé à la télé, mais sinon, introuvable. Depuis, oui. Ah, donc franchement, c'est merci et bravo. Hein. Ben, je vous en prie. C'est un peu le but de l'émission. Hein. On va parler à présent de votre enfance, mais si je vous disais d'abord, Elbière, vous me dites quoi? Elbière, c'est mon enfance. C'est là où je suis. Je ne suis pas née à Elbière. Mais Elbière, c'est là où j'ai grandi. Mes premiers souvenirs, c'est Elbière, c'est l'école, c'est le conservatoire. C'est vraiment mon enfance, c'est mon quartier.
C'est moi, c'est Bahja. C'est Bahja. Voilà, Bahja Rhal. Bahja Rhal, oui, voilà. Si on veut. Non, parce qu'il y a Bahja Al-Jil, Bahja, et puis il y a Bahja Rhal. Donc les deux se rejoignent. Exactement. Voilà. Exactement. Alors, vous êtes issu d'une famille qu'on qualifierait de nos jours de nombreuses, même si à l'époque c'était une famille moyenne pour moi, une famille algérienne moyenne. Ça n'avait pas que du négatif, hein, parce que souvent les familles nombreuses ont dit que. Mais en termes d'épanouissement, je pense que ça n'avait pas que du négatif quand même. Les familles nombreuses, Anna, je pense qu'au contraire, alhamdoulilah, et à l'époque c'était, c'était oui. courant. Oui. Yani, c'est la norme. D'ailleurs, même à l'école, on nous appelait par les noms de famille. Oui. Et on disait famille Rhal, famille Flan, Flan, oui. Flan. Donc non, c'était courant et normal. Et la famille nombreuse, Anna, quand même, on est 9 frères et sœurs. Et la famille nombreuse donne de l'ambiance à la maison. Ouais. L'ambiance, c'est quand on est d'accord, c'est bien. Quand on se chamaille, c'est bien. Quand ouais. on se bagarre, c'est bien. Ouais. Et ça donne vraiment de l'ambiance. Et c'est bien. C'est bien. Super. Alors, vous avez, disons-le, à peu près l'âge de l'Algérie indépendante. Et donc, comme beaucoup d'enfants de votre génération, vous avez été marqué par les programmes de télévision que vous regardiez. Et l'un de ces programmes, et que vous avez choisi de partager avec nous, est un film, j'avoue que vous m'avez étonné par ce choix, est un film que je n'ai pas revu depuis très longtemps, que j'ai même failli oublier. Et merci de nous rappeler ce film d'un grand réalisateur qui est Moussa Haddad, et qui a pour titre « Une cigarette pour Ali ». On regarde. شكون هذا بالحاج علي؟ لا عرفت شكون هذا بالحاج علي الضابط الاول اللي راه مع الكابيتان السابق نتاع الدوزيام بطيون وراك متحقق؟ نعم نقول التحقيق مليح وانما على حسب معلوماتي يمه ميته متحقق؟ نعم كل التحقيق يا حارس شوف لنا المراه هذه وين هي راهي مشات مشات؟ وراك متحقق؟ نعم كل التحقيق ملا خذ البطاقة هذه وامشي لمركز القيادة وشوف لنا على المرأة هذه حاضر وعمل كل اللازم قسم تلف هيك شوف هاد بطاقة تعريف هذه بطاقة التعريف نتاعي تاع وقت فرنسا كاين واحد العجوزة راهي تقول بلي راهي يماك
فين راهي؟ راهي في المكتب تاع المتطوعين. اسمح لي نروح نشوف. عين واحد من القيادة وروح شوفها. Alors, il retrouve sa maman et sa maman le retrouve. Pourquoi ce choix? D'ailleurs, c'est une merveille, ouais. le film. Et Noria avait un rôle magistral. Mm-hmm. C'est vrai que les films algériens, à l'époque, ouais. les années 60, 70, passaient régulièrement. Il y a un film de Chauffeau, 4-5 mois après, « Aoudou Djouzou ». Nous pratiquement ouais. par cœur. Mais on était là, nous attendions les scènes, les dits, ouais. ou la prochaine scène, nous savions ce qui va arriver. Mais on était là, on regardait religieusement un film. C'est notre enfance aussi, ouais. les films, les grands films ouais. algériens. On parlait tout à l'heure de la famille. La télé avait justement, à l'époque, ce rôle-là. Elle réunissait la famille. Ça se passait comment lorsque vous regardiez ensemble comme ça la télé? La famille nombreuse, je reviens à ça. Donc, le salon, il y a la télé, automatiquement. Par exemple, Beb Allah Yerhamou, c'était les films western. Donc, film western, il a qu'adna ou hana nchoufou ma'a un film, c'est bien, il a un sukto kamel. Si quelqu'un commence à parler, faire du bruit, allez, il nous sortait tous, il fermait la porte du salon. Il regardait le film Wahdo. Ça veut dire, ne me dérangez pas, c'est un film, c'est sacré, c'est un film western. Ouais. Par contre, par exemple, ma mère, c'était plus les variétés algériennes et couleurs. Et donc, là, c'était plus cool. Oui. Maïma, c'était plus cool. Donc, on avait même le droit de parler ou là. Mais sinon, il y avait les films, c'était autre chose. Alors, justement, vous parlez de ça, donc vous me tendez un peu la perche. Votre enfance a été caractérisée par beaucoup de discipline et de rigueur, aussi bien au sein de votre famille qu'à l'école. La discipline à la maison, c'est tout à fait normal. Oui. C'est tout à fait normal. Ouais. Les parents sont là pour éduquer les enfants, les guider. C'est tout à fait normal. Mes parents, c'était la rigueur. Beb Allah Yerhamou, c'était la rigueur, d'ailleurs, même dans son travail. Et à la maison, c'était la rigueur. L'école, c'est la même chose. On va à l'école, c'est que de la rigueur. Le conservatoire, la même chose. S'il y a des loisirs, c'est la même chose. Donc, on grandit avec ça. Il n'y a que ça. Ouais.